أوتي خوتي السلام عليكم. الظروف الأول ميضا ميزو بونجور شو غتكونو كابخير. جيري ميرسي تو سو كي روكاد فيديو نشكا لدينا شاهدين الفيديو تاعي. دون سيت فيديو جو دوني لي ريزيلتا دو شامبيون فرونسي ليك ان دو فوتبول لا تروزيام 23 جورني. Il y avait un match qui s'est joué vendredi, deux matchs qui se sont joués samedi. Je vous donne les résultats. Et je vous donne aussi le programme, la 23e journée du dimanche. Programme des matchs du dimanche, 6 février. Les résultats, vendredi, Marseille a gagné sur un score lourd, l'équipe d'Angers 5 à 2. Hier samedi, 5 février, Saint-Étienne a gagné contre l'équipe de Montpellier 3 buts à 1. Monaco a battu l'équipe de Lyon 2 buts à 0. Aujourd'hui, dimanche 6 février, plusieurs matchs. Le premier match sera à Lorient. Lorient va jouer contre l'équipe de Lens à 13h. Vous pouvez voir le match sur la première vidéo. C'est une chaîne française, c'est une chaîne sportive française. À 15h, il y a 4 matchs. Nice elle va jouer contre Clermont. Reims elle va jouer contre Bordeaux. Strasbourg elle va jouer contre Nantes. Et Troyes elle va jouer contre Metz. Vous pouvez voir ces 4 matchs en multiplex et en intégralité sur Prime Video. À 17h, un match Rennes contre Brest. C'est un match important. On a commencé Youssef Blaili a opté pour ce club de Brest. Les agents attendent de pied ferme pour voir ce match. Espérons qu'il va, il va faire une bonne entrée pour la première apparition avec son nouveau club Brest. Il va, on espère aussi qu'il va fournir un bon match. Vous pouvez voir le match sur Canal Plus Sport. À 20h45, il y a un match Lille va jouer contre l'équipe Paris Saint-Germain. Comme on sait, Paris Saint-Germain est le premier dans le championnat français. Vous pouvez voir le match sur Prime Video. On espère qu'on va avoir de bons matchs pour dimanche. Je vous dis que cette vidéo elle est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous dis salam alaikum. Au revoir.